Saint-Eustache est un minuscule joyau. Ce grain de sable de 21 km² situé dans la moitié nord des Petites Antilles a un arrière-goût de bout du monde. Cette île d'origine volcanique est relevée à ses deux extrémités par le Kyll, qui culmine à 602 mètres. Jadis, cette île était le repère de redoutables pirates auxquels elle servait de quartier général. Aujourd'hui, c'est un véritable paradis sur Terre pour les Robinsons qui veulent explorer ses beautés naturelles. Les premiers habitants de Saint-Eustache furent des Indiens caraïbes qui arrivèrent d'Amérique du Sud à la fin du 8e siècle. Aujourd'hui, avec moins de 3000 habitants, la majorité de la population est composée des descendants d'esclaves noirs africains. En 1954, Saint-Eustache gagne le statut de territoire associé au sein des Antilles néerlandaises et se tourne vers l'écotourisme grâce à son héritage culturel, historique, son parc marin et ses sites de plongée sous-marine. Elle forme désormais une commune néerlandaise à statut particulier depuis octobre 2010. À Oranjestad, la capitale, Fort Orange fut construit en 1629 par les Français pour se défendre des attaques des Hollandais et des Anglais. L'île fut très convoitée et changera 22 fois de propriétaire, devenant la plaque tournante du commerce antillais, esclaves, sucre, coton et marchandises en provenance d'Europe et de l'Extrême-Orient. On y trouve encore des bâtisses et du mobilier de l'époque coloniale parfaitement restauré. L'arrivée des Européens eut comme résultat immédiat de décimer entièrement la population autochtone. Heureusement, dans les années 1960 et 70, les habitants de Saint-Eustache sont devenus très attachés à la valeur de leur culture et de leur unique héritage. Des initiatives furent entreprises afin de les préserver et de les maintenir. Pour promouvoir cette histoire et cette culture unique, la fondation historique Saint-Eustatius fut créée. Aujourd'hui, plus de 20 nationalités différentes vivent en harmonie dans cette paisible île des Caraïbes. Et ce ne sont pas les seuls à peupler ce petit paradis tropical. Le charme de Saint-Eustache réside également dans son folklore et ses personnages touchants, faisant partie intégrante de l'île depuis tant d'années. Stanley Wellington Van Patten, born on Saint-Eustache, 1937. From 1980, hoist the flag and ring the bell. From 1980, never late, never was sick. Up to now, I didn't know them on Juliana and Matrix also. 12 midday and 6 in the afternoon, every day. From 1980 to now, hide the flag, ring the bell. Never day was late. That is not for you. How can you? Bonjour, je m'appelle Ingrid. Je suis installée à Saint-Eustache avec mon mari Meno depuis maintenant 8 ans. Et nous tenons le centre de plongée Scubaqua. Saint-Eustache est une petite île qui est différente des autres, loin du tourisme de masse. On s'est d'ailleurs installé à Saint-Eustache pour cette raison. Nous cherchions un endroit qui soit encore unique et préservé. Et c'est là où nous développons notre centre maintenant depuis quelques années. Ingrid et Meno se sont installés dans un bâtiment ancien qu'ils ont entièrement rénové. Dans un souci écologique, une installation de récupération d'eau de pluie a été effectuée. Afin d'obtenir l'eau nécessaire pour le confort des plongeurs, bac de rinçage, douche et toilette,
Une citerne construite localement par une entreprise de maçonnerie en dur permet de subvenir aux besoins du centre scoubaquois. Les 8 mètres cubes stockés et renouvelés permettent d'obtenir 300 mètres cubes d'eau sur une année. Si Scoubaquois devait s'approvisionner en eau, cela lui coûterait environ 3 000 euros par an. La construction de la citerne qui a coûté 10 000 euros a donc été amortie en seulement l'espace de 3 ans. De plus, aucun traitement n'est effectué pour cette eau en dehors de l'utilisation d'un antiseptique pour les bacs de rinçage des plongeurs. On le voit, cette solution est née de la volonté de préservation d'une ressource locale, au demeurant rare. Même si l'eau courante est disponible par la désalinisation d'eau de mer, le centre de plongée s'est attaché à investir pour utiliser à la fois une ressource plus éco-responsable et aussi plus économique sur un moyen terme. C'est une alternative librement choisie, aisément réalisable ailleurs, avec des moyens locaux bénéfiques aux populations et qui a le mérite de rencontrer des réactions très positives de la part des plongeurs venant dans le centre de plongée. Un exemple à suivre, en cohérence avec la charte longitude 181 du plongeur responsable que soutient Scoubaquois. Parmi la trentaine de sites de plongée répertoriés autour de l'île, certaines sont inévitables, comme l'épave du Charles L. Brown, coulée en 2003 par 31 mètres de fond. Cet ancien câblier de 100 mètres est aujourd'hui l'une des plus grandes épaves des Caraïbes. Sans oublier les superbes récifs formés sur des coulées de lave. Avec le parc marin, qui est une organisation qui s'appelle SNAPA, Sintusatius National Parks. Il y a des rangers qui sont responsables pour vérifier que les lois du parc marin sont bien suivies et qui vérifient également que les différents plongeurs qui viennent plonger à Saint-Eustache se soient acquittés de leur tag du parc marin. Chaque plongeur achète un tag comme ça qu'il peut accrocher à son gilet, qui est valable une année. Il coûte 30 dollars et cette contribution financière permet à l'entretien en fait, du parc marin. Ce matin, nous sommes avec SNAPA, qui est le Sintusatius National Parks.
Et nous allons travailler avec Nadio pour l'aider à entretenir les différents mouillages qui se trouvent sur chaque site de plongée. En fait, tous les sites de plongée sont marqués par un mouillage. L'ancrage est interdit et donc ça permet ainsi de préserver les coraux. Chaque plongeur qui plonge à Saint-Eustache a l'obligation de plonger avec un centre de plongée qui vérifie qu'il respecte l'environnement, qu'il respecte la plongée, qu'il ne prenne rien avec eux, qu'il n'abîme rien. This morning, where are we and what are we going to do? Right now we are at a triple wreck. Alors ce matin, Nadio explique que nous sommes sur le mouillage de Triple Wreck, qui est un magnifique site de plongée historique, à caractère historique. Notre travail va être déjà de nettoyer la ligne, qui très souvent contient des petites moules ou à des algues, etc., qui en fait mangent la corde. Et le but, c'est de nettoyer cette corde pour que les plongeurs déjà ne se coupent pas lorsqu'ils descendent le long du mouillage et aussi pour que le mouillage puisse vivre le plus longtemps possible. Les mouillages au nombre d'une trentaine ont été mis en place par Stenapa. Les mouillages sont immergés à une profondeur moyenne de 18 mètres, atteignable pour tout plongeur formé. Ces mouillages sont vissés dans le substrat rocheux ou fixés sur des vis à sable, parfois sur des corps morts ou des épaves. Chaque mouillage est équipé d'un cordage d'une longueur de 10 à 30 mètres. Ce cordage est un lieu idéal pour les algues et les moules, entraînant sa dégradation irrémédiable, sauf bien sûr si l'on nettoie le cordage par une opération de nettoyage en plongée. Si le travail de pose d'un mouillage est évidemment un travail de professionnel, celui du nettoyage du cordage est lui réalisable par tout plongeur. Scubaqua, en tant que centre ambassadeur de longitude 181, met son bateau à disposition des personnels du parc marin pour effectuer cette opération. Chaque mouillage nécessite 3 interventions par an, afin de permettre aux plongeurs d'éviter de se couper en saisissant le cordage lors d'une mise à l'eau. Cette opération, qui permet d'éviter toute blessure lors de l'utilisation d'un mouillage, assure une meilleure durabilité des cordages, puisque ces nettoyages permettent de porter la durée de vie du cordage à 3 ans, période au bout de laquelle le cordage est alors remplacé. Le temps de travail de ces opérations, qui dure en mer une demi-journée par mouillage, représente environ, par homme et par an, 1000 heures et environ 330 heures de disponibilité de bateaux. Si le parc marin devait financer totalement ces opérations, c'est 30 000 euros supplémentaires qui lui seraient nécessaires, en plus du budget utilisé actuellement, provenant de la vente des droits d'entrée au parc marin, d'un montant de 30 $ par plongeur et par année. L'engagement de Scubaqua est donc prépondérant quant à la préservation des mouillages, pour la sécurité des plongeurs, mais aussi pour assurer la pérennité des récifs coralliens et de la vie aquatique. Saint-Eustache est un haut lieu pour les tortues. Elles sont protégées depuis de nombreuses années, donc il n'y a pas, comme sur certaines îles, la population qui a la possibilité de venir prendre les œufs ou pêcher les tortues. Ici, ce n'est pas du tout le cas, elles sont entièrement protégées. Stenapa, donc le parc marin, a même une personne à disposition qui est mandatée pour surveiller les tortues pendant toute l'année. Nous avons 3 sortes de tortues, les tortues imbriquées, les tortues luttes et les tortues vertes. Elles viennent à leur tour de rôle pondre sur les plages volcaniques de l'île. Des patrouilles sont effectuées pendant la nuit pour vérifier si une tortue est venue ou si elle vient et pour surveiller la ponte. Il y a également un suivi des œufs et bien entendu un marquage des différents nids. Stenapa vérifie également lorsque les tortues éclosent, le nombre de tortues qui ont survécu, le nombre de porcelles qui retournent à l'eau. On the beach now, we have 4 leatherback nests. Sur la plage en ce moment, il y a 4 nids de tortues luttes, 2 un peu plus loin, un dans cette direction, et celui qu'on a vu. That all 4 nests
Il est possible que tous les nids soient de la même tortue. C'est pour cette raison qu'il y a des patrouilles qui les taguent. La tortue sort 4 à 5 fois. Et à chaque ponte, elle fait 140 à 150 œufs. Avec la tortue lutte, on peut compter exactement 10 jours entre chaque sortie. Vous êtes arrivé trop tard. Préservée du tourisme de masse, elle abrite pourtant une multitude de trésors. Plus de 200 épaves gisent aujourd'hui dans les fonds limpides de l'océan, héritage fascinant de ce passé mouvementé. De somptueuses épaves recouvertes de coraux durs et coraux mous et d'immenses éponges sont l'abri de mérous, murènes et barracudas. C'est véritablement le paradis des photographes, tant les couleurs et la faune sont diverses. L'origine volcanique de l'île offre aux plongeurs des paysages de coulées de lave, des récifs recouverts par toutes sortes de coraux. On y croise de nombreuses tortues, des hippocampes, mais aussi des requins nourrices, des requins de récifs et des raies aigles. Porcelaine, raies pastenague et gorgone font également partie de ce site peu connu des plongeurs. Invitons tous les plongeurs du monde à nous rendre une petite visite sur cette île du bout du monde. Malgré sa petite taille et son impression de justement de bout du monde, est atteignable en une journée de voyage depuis l'Europe. Bienvenue à Saint-Eustache.